des vidéos en caméra subjective. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'ai testé une voiture super, super. Alors aujourd'hui, on est dans une Polestar 1. Allez, comme ça, ton papa, il se fait aussi plaisir. Il n'y a rien de vraiment chinois. Enfin, oui. La voiture. Elle est entièrement chinoise. Oui, oui, oui. Il n'y a rien oui. de chinois. Ouais. Je me suis trompé. Donc, tu as la clé dans ta poche. Appuyez sur le frein. Donc, tu tournes. Non, tu tournes à droite. Comme si tu es en route. Lâche. Si maintenant tu n'aurais pas appuyé sur le frein, elle n'aurait pas démarré. Oui, oui, oui. Alors, tu as. Alors, quand tu es sur autoroute, tu appuies là-dessus pour qu'il mette le cross control. Oui. Et alors, quand tu appuies là-dessus, ici tu sélectionnes la vitesse. Quand c'est fait, tu pousses là-dessus, tu as le volant qui se devient vert. Ah oui. Et alors, celle qui tient, oui. Mais tu dois le tenir. Garder la loi. C'est, voilà, oui, c'est oui, 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 oui. Ok. Oui, ça, alors, la marche, c'est simple. Hein. DNP. Oui. R. Donc, il n'y a rien d'autre. Et alors, c'est pour les modes de conduite. Oui. Donc, si tu pousses dessus, voilà. Ici, elle est en hybride. Oui. Individuel, je ne l'ai pas programmé. Regarde, en pur, il veut, tu sais, regarde, t'as vu, on ne sait pas la mettre. Hein. Ah oui, non, non, non. Non, non. Voilà, et ça, c'est pour. Alors, maintenant, j'ai mis pauvre. C'est bon. Enfin, okay. Oui. Voilà, ça c'est une boîte automatique. Hein. Super. Là, tu pousses sur le bouton. Comme si tu mets tu pousses en avant pour aller en arrière. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais. Ah oui, tiens. Ouais. Voilà, alors tu as ici quelque part, ça apparaît. Oui, oui, oui. N. Où est-ce que tu le vois? En bas. Ah oui, voilà. Mais encore une fois maintenant. Voilà, maintenant tu es sur R. Et puis, ok. Ouais. Écran. Très bien. Ah. R. Allez, je suis en D. Eh bien, allez. Vas-y, vas-y. Oui, à tout à l'heure, hein, merci. À tout à l'heure. Tu vois, je ne sais pas si tu le vois d'où tu es, Martin, mais il y a l'affichage haute. Ouais. Ici. Qui nous rappelle la vitesse maximale. Aussi. Accélère quand même fort. Ça va vite. C'est beau, il n'y a pas de mots. Quand vous accélérez, on est bien maintenu.
alors les détecteurs d'angle mort. C'est encore mieux qu'une 911. L'intérieur, je le trouve bien sympathique. Bien sympathique. C'est tout du carbone. Hein. Tout du carbone. Tu vois où je vais, là? Au centre.
vais te déposer un peu à l'avance. Hein? Non, non. Non? Pourquoi? Bah, on a fait un beau petit tour, hein. Il a un peu tourné le moteur, je trouve qu'il est bruyant, je trouve. Bruyant? Ah, voilà. Là, le frein. Oui, hein. Quelle voiture, hein. Elle est trop grave, c'est terrible. Mais que de la 610 chevaux, hein. Ben oui, oui, oui. Tu vois, carburant vieilli, moteur va fonctionner pour utiliser le carburant. Ah oui, 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 oui. Et alors je vais faire un entretien aussi. Elle accélère bien, hein. Bon, c'est un 4 cylindres, ça fait pas le bruit d'un V8, hein. Qu'elle a consommé 20 litres au 100. 20 litres. Ouais, mais sur, ici l'essai qu'il vient de faire, hein. Moi je roulais moins vite. Oui. Et on voit ici, c'est une moyenne de 10. Oui, oui. Une moyenne de 20. Mais en rapport à ce matin, c'est pas la consommation. La consommation, oui, moyenne, là je suis à 4,7. Mais quand je l'ai prise, elle était à 3,5, mais comme il me bouffe le courant. Oui.
Ah oui, 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 là, même en même pour le moment, Martin, même si on roule à une vitesse régulière, stabilisée, le moteur donne plus pour recharger la batterie. Hein. Ah oui, oui, donc, oui. Ah oui, déjà ça. La consommation oui, oui. est automatiquement est plus haute. Oui. Hein. Tu avais la chaîne IFI, c'est du Bower CV et Wilkins. Oui, ça. Oui, oui. Je sais pas oui, si, ça c'est. À force de changer de voiture, hein, on. Ah, dans le fond du coffre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Non, ouais. Le coffre n'est pas très très grand. Il y a trois moteurs électriques, hein, Martin. Quoi ? Oui, oui, il y en a un devant aussi. Hein. De route. Modifier le tarage des amortisseurs. Ouais, c'est... Quand tu as la barre anti-rapprochement. Oui, oui, oui. Ici, on est c'est beau. Pour charger, hein. Ah, non, hein. Allez, bon retour. Hein. Merci au propriétaire de cette voiture de m'avoir permis de faire cet essai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.